Oui, merci Madame la Présidente. Bien entendu, vous êtes fière de votre réforme de l'université, c'est normal, c'est la vôtre. La Cour des comptes est beaucoup moins d'accord avec votre autosatisfaction, et je ne parle pas du Front National, je parle de la Cour des comptes. Et puis, finalement, le ressenti du terrain le confirme relativement. Nous qui sommes le parti le plus jeune de France, nous sommes bien placés pour le savoir. Nos très nombreux adhérents étudiants nous font remonter l'état catastrophique de nos universités entre les bâtiments qui s'écroulent ou le fait qu'il n'y ait plus d'étudiants que de chaises dans les salles de classe. Alors c'est vrai, les acteurs de terrain sont les mieux placés pour connaître leurs besoins. C'est une évidence. Mais le problème, c'est qu'avec votre expérimentation, vous ouvrez une boîte de Pandore. Aujourd'hui, expérimentation sur une autonomie partielle, demain, expérimentation sur une autonomie totale, et puis de l'expérimentation, on passe à la systématisation. On arrive au recrutement des professeurs directement par les établissements. Après tout, vous en parlez déjà pour les agents. En perspective, c'est bien une rupture d'un des principes fondamentaux de notre République, l'égalité de tous face à l'éducation, qui est ici clairement engagée. Alors, le Front National, évidemment, ne peut l'accepter. C'est pourquoi nous voterons contre votre projet de délibération.